Salut à tous, c'est Capi et aujourd'hui on se retrouve pour le neuvième épisode de Capi t'aime les cubes. Donc aujourd'hui au programme on va construire, enfin on va mettre l'enclos, on va commencer à mettre l'enclos. Je regarde si le blé ça avance. Oh, quelqu'un a marché là. Ouais, donc on va faire un petit peu d'enclos comme j'ai été chercher du bois il n'y a pas longtemps. Là, faire deux stacks avec ça. Voilà. On a du bois donc facilement grâce à mon petit mod, donc on va l'utiliser. Voilà un petit stack. Ça me semble pas mal. Donc là par contre, bien ce que je pensais, si on les colle trop. Elles mettent trop longtemps à sécher. J'entends un zombie. Mais je dois pas trop m'inquiéter parce que comme c'est la journée. Enfin, je vais laisser ça tranquille. Qu'ils viennent, moi je m'en fous, il va cramer tout seul de toute façon. Vérifier juste que mes mesures sont bonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nickel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Logiquement, 1, 2, 3, 4. J'avais prévu des entrées de deux avec des portes en bois. Enfin, pas prévu, mais j'avais testé. Ah, et un creeper là-bas. J'avais testé un petit pattern pour mes enclos, hein, pour voir. Bon, je vous avais dit que j'avais testé pour la taille. Donc voilà, un enclos, ça va être de cette taille-là. Et au centre, je vais peut-être mettre de l'eau, mais je sais pas si c'est nécessaire. Enfin, s'il faut de l'eau, il y en aura. S'il en faut pas, bah tant pis. Je vais tuer les creepers. Ils tombent tout seuls, les imbéciles. Il ne pourra pas remonter. T'es au petit cochon. Je vais faire le tour, hein, parce que c'est con un creeper. Ouh là là, m'a fait peur lui. Il est venu beaucoup trop près à mon goût. Donc on va faire le deuxième, hein, tant qu'on a des barrières. Mais où est-ce que ça vient ces bruits? J'en ai mis un trop là. Donc le deuxième. Bon, tant qu'on y est. Je vais déjà commencer l'entrée de celui-là. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est comme ça. Et voilà. Donc je sais pas combien il m'en faut encore. Et comme ça, les entrées sont faites. Je vais aller créer les portes. Les poser, créer le reste des barrières. Mon avis, doit m'en rester un peu plus d'une dizaine à faire. Quoi faire avec ce qu'on a là? Moins d'en faire encore un petit peu. Voilà, on est fait 20. J'ai oublié de faire les portes. Pas grave. Et puis, on va aller... on va ramasser les briques, déjà.
qui ont séché. On va aller les vendre. Et puis, en revenant, on ira voir pour aller chercher un peu de nourriture, hein, parce que... Oh, des loups. Je sais pas si on peut faire reproduire les loups ensemble. Est-ce que ça a grillé? Oui. Ouais, déjà un stack de ça. Donc ce que j'avais dit. Ah oui, les portes. Alors, on se fait du bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, 6 ports d'un coup. Ça prend de la place. J'espère qu'elles vont bien se mettre comme elles se sont mises avant. Comme ça, ouais, nickel. Parce que avant, en fait, j'avais peur qu'elles ne se mettent les deux avec la clinche comme là, mais de ce côté-là. Donc là, je peux les ouvrir ainsi. Je vais les laisser ouvert. C'est jamais si un animal il veut rentrer tout seul. Donc, on va aller chercher les briques qui sont séchées. Et j'ai le bras qui s'endort, bizarre. Et ça m'inquiète tous ces bruits de zombies, je comprends pas d'où ça vient. Quand même, si on m'avait dit que quand j'ai commencé la série que j'aurais... Que je devrais faire sécher des briques pour aider à grandir un petit village à côté de ma maison, je crois pas que j'aurais découvert, hein. Donc la série elle se fait toute seule en fait, ça qui est bien, j'ai même pas besoin de chercher de choses à faire, ça se fait tout seul. Donc on va aller vendre tout ça. Non, éviter de courir parce que sinon on va user trop de barres de faim et comme j'ai plus rien à manger, ce serait dommage. Et puis, on va aller dans la forêt à la recherche de cochons, de vaches, de poulets, pourquoi pas aussi. Pour pouvoir se nourrir. Parce que la survie, c'est beau, mais à un moment, si on ne mange pas, on crève. Voilà. Briques de terre encore 24. Donc le bon petit monsieur là-bas. Oh, ils ont eu des enfants. Et génial. Y a rien, t'as pas de femme? À moins que ce soit ça la femme. Bon, je ne sais pas. Ah mais non, c'est pas lui, c'est ici. Je pense que si je ramasse tous ceux qui sont encore là, il y a moyen de terminer. Et comme ça, je vais vous montrer une construction un peu plus intéressante que la dernière fois. Hein, parce que le petit truc qu'il avait construit, j'étais monté en hauteur pour rien. En fait. Parce que le temps que je monte déjà, il avait déjà tout terraformé. Et il avait rien créé de très intéressant. Le sol de la maison, allez Barda. 2, 23, 24. Mais à mon avis 123, ça va être quand même assez grand comme, comme construction. Donc ça risque d'être mis au moins un bâtiment. Petite vendeuse vient ici. Voilà.
au nord, mais je sais pas. Je crois que c'est lui qui construit. Ouais, voilà. On va le suivre. Ouais, voilà, donc dans le mode millénaire, ceux qui construisent, ils ont toujours une épée. Une pelle en bois. Oh, il construit le bâtiment principal. Je vais monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il a grandi. Viens pas me dire qu'il y en a... Ah non, c'est parce que c'est la nuit. Ils vont se coucher, il a tout laissé ouvert, le baraki. Oh, j'aurais pas eu le temps d'aller chercher à manger. Bon bah tant pis, hein. On va aller se coucher et puis on va aller... Quoique... J'aurais bien une fois un épisode de nuit. Je vais aller taper tout à la maison. Et puis on va aller chasser les animaux et les monstres de nuit. Parce que je suis un fou. Et il y a le blé qui commence à être bien. Donc alors, on tape notre barda. L'argent. Ça j'ai pas besoin, ça non plus. Bon, je prends vraiment que le nécessaire. Ah, là-bas. Araignée. Voilà. Déjà deux os. Deux os. Alors, faire attention de pas tomber. Je vois une vache déjà. Deux vaches. Ah, de la viande. Par contre, elle a pas looté grand chose. Voilà, pour ça que j'ai dit ça, l'autre en donne. Alors, un zombie. Je tue d'abord le zombie. Ensuite, on enchaîne avec... Non, ne pète pas. La vache. Voilà, on enchaîne. On est des fous. On enchaîne avec le cochon. Voilà, deux viandes d'un coup, c'est bien ça. Oh, petit freeze. Alors souvent, quand j'ai des petits freezes comme ça, c'est frappe, c'est qui fait ça. Ça me coupe ma... Oh, un Enderman. On va essayer de l'attaquer. C'est pas facile. Oh, parce qu'il se téléporte. Où est-ce que t'es? Ah non! Et merde, première mort. Ah là là. J'allais justement dire, ça faisait longtemps que j'étais pas mort, j'aurais pas dû attaquer lui. Surtout que j'ai pas d'armure ni rien. Bon, j'avais pas grand chose sur moi. Mais quand même. On court pour aller chercher. Il me semble que c'est par là que j'ai été. J'avais descendu, j'étais pas très loin. Hein. Par là, il me semble. Non. Où est-ce que c'est? Le plus chiant, en fait, c'est pas de mourir, c'est de retrouver ses affaires après. Où est-ce que c'était? J'ai bien que je suis passé derrière là. Non, c'est peut-être près d'ici. Ouais, voilà. Toujours l'Enderman. Ouf, j'ai tout récupéré. Par contre, les niveaux sont baissés vachement. Tiens. Yes. Je vais les tuer. J'ai eu un œil d'Ender. Ouais, je me suis vengé. Donc,
À noter pour la prochaine fois, un Enderman, il suffit de sauter et de bouger dans tous les sens et il ne saura pas vous avoir. Fini de visiter la crevasse, moi, au passage. Et le chien, il bouge pas, hein, il est toujours là depuis tantôt. Un deuxième, là. Je vais pas l'attaquer. Ah non, ils font mal, maintenant, les archers. Avant, ils étaient bêtes, c'était super facile à éviter. Mais maintenant... Des vrais snipers, ces trucs-là. Allez, double kill. Ouais. Oui, donc demain, pour les intéresser, enfin, demain, donc là, on est le... Oula. Attendez. Je crois qu'on est le 21. Donc demain, on sera le 22. Donc en fait, aujourd'hui, parce qu'il est déjà minuit. Je vais essayer d'aller tourner une vidéo ou deux en colis pour continuer la série Capif et du colis et peut-être faire une petite vidéo sur mon roublard si j'arrive à faire le Kimbo, parce que je l'ai déjà fait une tentative ou deux. Et merde. Et les personnes avec qui je le faisais se sont trempées au niveau du placement, puis on a recommencé, on pensait que c'était bon, mais on s'est encore trompé, donc on est mort deux fois. Et puis je devais partir, donc on n'a pas retenté une troisième fois. Mais je vais essayer de trouver une team. Et comme ça je vous ferai une petite vidéo où je vais passer de l'élément feu. Vous montrer les jets et... Oh merde, je vais la tuer avec ça. Donc je passerai de l'élément feu comme je suis pour le moment. Je vous montrerai les jets vite fait. Ouais, la loot blindée celle-ci. Et puis j'irai restat sur Otomaï avec vous. Et je passerai R et je vous montrerai la différence. Comme je dis, je disais que je ferais ça demain, mais bon, si demain le Kimbo n'est toujours pas fait, je n'aurais pas vous proposer de champignons. Oh là là, c'est full people autour de la maison. Bon, je vais sprinter pour rentrer parce que j'ai... Oh là là, ça bug. Ah voilà. Bon, je vais déposer ça. Ouais, j'ai eu un disque. Je m'en suis même pas rendu compte. Je vais déjà faire flamber ça. Je vais me refaire une épée. Et je vais aller finir nos petits amis qui sont là dehors. Où êtes-vous ? Je me bats encore. Je ne veux pas qu'ils pètent. Ouais, les zombies sont enfermés tout seuls. Bien joué les gars. Très intelligent. Qu'est-ce qui m'attaque ? Bon les gars, je vais vous laisser. Oh, je vais vous tuer. J'ai pas envie que vous brûliez. Bon, je vais aller vite me taper dans le lit. Et je vous dis à très bientôt pour le... C'était le 9e épisode de Capitaine les Cubes. Salut à tous.